Bon, disons que le réveil était prévu à 6h et qu'il faisait un petit peu plus chaud sous la couette. Donc j'y suis resté. Maintenant il est 10h, je suis sur mon spot de pêche. Aujourd'hui c'est street fishing. Je vais essayer de pêcher des zones bien marquées, beaucoup me déplacer, beaucoup marcher à la recherche des perches et du sambre. On va commencer sur un spot bien connu que vous avez déjà vu sur la chaîne mais qui a beaucoup 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 changé. Typiquement ici c'est un spot calme avec un angle, des structures et des endroits calmes. Donc ça va être des endroits où les perches vont pouvoir se cacher. Aujourd'hui j'ai avec moi deux combos. Donc un combo en casting 7,21 grammes et une 1,5 grammes en spinning. Donc je vais monter un plus petit leurre sur celui-là. Celui-là je vais l'équiper un peu plus lourd. Là je vais lui laisser le jig pour l'instant. Je vais mettre une petite écrevisse, monter avec un texan, parce que on s'accroche facilement ici. Et je vais essayer un petit peu dans les arrondis là, juste ici. On va mettre le fond. Poisson, premier poisson, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, je l'avais dit, je le sentais bien. Première perche, super. Très belle perche. Alors, je vais essayer de la lever. Super, alors on a une belle perche. Là, c'est un petit peu haut à remonter. Je vais le faire à la main, à mes risques et périls. Essayer d'éviter qu'elle frotte à terre. Super. Wow, la belle perche directe. Je l'avais dit. C'est efficace. Une belle écrevisse en texan. Bah, deux lancers, vous voyez. On est parti. J'ai fait profiter quelques enfants qui étaient à côté. Leur faire toucher un poisson. C'est ça la transmission de passion. Pas toi qui vas me rendre heureux. Bon, je m'accorde quelques minutes pour me manger quelques biscuits apéro parce qu'il est passé midi. J'ai pas beaucoup bougé pour l'instant, du coup je suis vraiment resté dans la même zone, essayer de voir s'il y avait des poissons de regrouper comme j'ai pu les trouver sur des sessions antérieures. Bah, c'est pas le cas du tout, je m'y attendais un petit peu. Donc le programme de l'après-midi, ça va être de beaucoup marcher. De marcher le long du canal et d'essayer de trouver les spots bien ciblés comme on l'a fait au tout début en arrivant. Et je pense qu'on pourra trouver des poissons comme ça. En attendant, place à la bouffe. Je me suis mis en marche, je viens de tomber sur quelques péniches. Peut-être que ça peut être intéressant de pêcher entre les péniches un petit peu. Je vais essayer et après je reprends ma route.
poisson. Voilà, vous avez vu. Première descente, premier poisson. Et c'est pas trop mal. Elle est belle. Super. Je vais essayer de la mettre à l'épuisette. Yeah, pizza. Pizza gang. Belle pizza. Elle est aussi jolie, voire plus encore. Oh. Elle est partie se mettre dans des trucs là. Faut que j'essaie. Ah, elle est partie s'attacher là dans quelque chose. Elle est plus au bout, je pense plus. Je pense pas. Ah, ça frotte. Ah non, pas mon leurre fétiche là. Ah, elle est partie se mettre dans un truc. Elle est intelligente celle-là. Je me serais fait avoir. Le truc, c'est le plus embêtant, c'est que je perds mon leurre. Et que ça, ça avait l'air d'être vraiment ce qu'il voulait. Alors, bon. On va essayer de retrouver quelque chose qui peut être similaire à peu près. Tac. Une croix, est-ce que j'ai une autre croix? Alors pas de la même couleur, c'est le problème. On va quand même mettre un, on verra. On aura quand même eu pas mal de résultats sur ce spot là. On va se décaler, je vais aller mettre juste de l'autre côté du pont. Parce qu'il y a une belle anse à faire, hein. Assez sympa. Je vais aller la prospecter. Poisson, c'est pas mal. Les enrochements, super. Hop, une perche. Typique, ça, c'est des enrochements qui tombent doucement. Une petite croix passée dedans. Et on est bon. Une jolie petite perche. Sympathique. Belle action en tout cas.